Merci Xavier, merci Grégoire pour cette invitation et me donner le privilège d'une discussion. Et merci à vous, Lucien Jaume, à la fois d'abord pour toute l'heure, pour l'introduction ce matin qui, je trouvais, mettait très bien en perspective les choses, et je dirais aussi pour le débat que vous venez d'avoir, qui montre que dans une université, on peut vraiment avoir un débat académique de fond, même si ça n'arrive pas tous les matins. Mais à la limite, je préfère qu'on mange une demi-heure ou trois quarts d'heure de plus sur cette question-là, parce qu'elle me paraît centrale et que c'est très productif. Je dois juste m'excuser d'une chose. La condition universitaire étant ce qu'elle est aujourd'hui, j'ai eu trois nuits pour le lire et pour formuler une série d'interrogations. Ça s'est fini à 5h30 ce matin, donc pardon si ce n'est pas tout à fait aussi clair et parfait que ça devrait l'être. J'avais fait un mail en début de semaine à Grégoire et à Xavier en disant « Quelles sont vos attentes ?» Ils m'ont répondu « Fais ce que tu veux ». Ce qui est à la fois magnifique. Et donc je me suis dit donc je prends le livre et je me pose une série de questions, je vous les pose. Trois séries d'interrogations. La première série d'interrogations va croiser des choses qui ont été dites à plusieurs moments. Je dirais que c'est la concordance ou la non-concordance entre le titre d'un côté et le contenu de l'autre. Alors, trois choses. D'abord, ça s'appelle « Éternel défi ». C'est un peu ambivalent, « Éternel défi ». Ça va rejoindre une remarque de Philippe tout à l'heure. Parce que d'un côté, ça peut laisser penser que l'opposition entre l'autorité de l'État d'un côté et la liberté des religions de l'autre apparaît comme une sorte de structure fixe, une antinomie indépassable. Et en même temps, le contenu du livre, c'est plutôt de nous montrer que, en fonction des périodes, la nature du conflit a beaucoup changé. Et en particulier, la conclusion dit clairement que, sans doute, on est arrivé à une époque où il va falloir repenser à nouveaux frais. Et donc, est-ce qu'il existe un art variant derrière la transformation du problème soulevé? Est-ce que, éternel défi, est-ce qu'il y a une éternité ou pas là? La deuxième chose, c'est le sous-titre dit « L'État et les religions en France ». Et c'est un choix qui, pour moi, pose un peu question. Un peu parce que tu disais, je suis spécialiste de questions plutôt européennes, mais aussi parce que je me demande dans quelle mesure on peut aborder la question de la singularité du parcours français sans le situer dans un paysage plus global. Alors, il est très clair que dans le livre, il y a deux moments où on sort de l'hexagone, puisqu'il y a un moment pour parler de la tolérance à l'échelle européenne, et puis il y a un moment pour aller regarder la question de la régulation par le juge dans l'espace américain. Mais tu as fait cette remarque, je l'ai fait aussi. Pour moi, ça peut s'interroger de deux manières ici. Il y a une interrogation qui est presque juridique. Il y a une première laïcité qui est législative, 1905, et une deuxième laïcité qui est constitutionnelle et qui inclut la situation concordataire de l'Alsace-Moselle, mais aussi la situation ultra-dérogatoire de Mayotte, avec un droit civil tout à fait spécifique. Et donc, si la notion de laïcité varie dans la pyramide juridique, c'est bizarre. Enfin, comment est-ce qu'on l'appréhende? Et j'ajoute un troisième niveau, si on monte à l'étage européen, l'article 17, alinéa 3 du traité de fonctionnement de l'Union, je rappelle qu'il prévoit que, je cite, « reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les églises et organisations philosophiques et non confessionnelles. » Autrement dit, il existe quelque chose d'autre à l'échelle européenne qui est un principe de dialogue entre les pouvoirs publics institués et les religions, pas seulement les religions, mais entre autres les religions, en vue d'un horizon pratique potentiel. Si j'étais, et je suis, un peu un héritier de John Rawls, j'appellerais ça en vue d'un overlapping consensus, d'un consensus par recoupement, ou pour le dire dans le langage américain aujourd'hui, un consensus pluraliste. On peut s'accorder sur des choses, mais pour des raisons différentes et avec des visions différentes à l'arrière-plan. Deuxième point, peut-être plus intellectuel, celui-ci. Je note que d'autres qui ont réfléchi sur ces questions ont choisi d'aller par un point de vue européen. Je pense par exemple à l'ouvrage de René Raymond sur les religions et les sociétés en Europe. Je pense aux travaux de Jean-Paul Willem, plusieurs fois. Il est venu ici d'ailleurs s'en expliquer, on avait discuté avec lui là-dessus. Et je me souviens qu'une des conclusions du travail de Jean-Paul Willem, c'est que quand on compare les sociétés européennes, et justement ça met un peu
comment dire, ça relativise la singularité de la situation française. Il montrait qu'il y avait quatre principes qu'on trouvait partout dans les sociétés européennes. La neutralité confessionnelle de l'État, la reconnaissance de la liberté religieuse, la reconnaissance de l'autonomie de la conscience individuelle, et le libre examen, ou le débat contradictoire, y compris en matière religieuse. Il avait même, dans un de ses livres, proposé d'appeler ça, c'est à l'époque où le Conseil de l'Europe l'avait interpellé, il avait proposé d'appeler ça la laïcité culturelle européenne. Mais quelques collègues protestants allemands n'étaient pas du tout d'accord. Et avaient abandonné l'idée, le mot laïcité avait fait problème. Hein. Ce n'est pas le contenu des quatre principes, c'est le mot laïcité qui avait fait. Et enfin, ça a été dit ce matin, l'État et les religions en France, des origines à nos jours. Alors, évidemment, ça c'est un peu bizarre, vous avez dit, c'est le choix de l'éditeur, c'est pas le vôtre, donc je ne vais pas vous le, évidemment le reprocher, mais ce qui est assez bizarre, c'est que le point de départ est le XVIIe siècle, le gallicanisme, alors qu'on peut se poser légitimement la question de se dire si le point de départ n'est pas le Moyen-Âge, et en particulier, je cite ici un moment de ce qu'écrit René Raymond là-dessus, il dit « Entre tous les continents, l'Europe présente au regard du fait religieux une originalité qui est une donnée capitale, c'est le seul qui a été totalement christianisé. » Et donc, la question est de savoir si ça n'est pas cette unité religieuse initiale, qui a, rappelons-le, engendré aussi une prétention théocratique et même hiérocratique, si finalement l'histoire que nous avons, nous, traversée en Europe, elle est très différente parce qu'elle est le fruit d'un déchirement de la conscience religieuse unitaire, schisme orthodoxe jusqu'aux guerres de religion et à la réforme, en même temps que la perpétuation d'un conflit des deux glaives. Et je souligne ce qui me frappe dans votre propos, c'est finalement, on peut avoir du mal à se relier à toute une historiographie allemande, celle de Blumenberg, celle de Kantorowicz, de Schmitt, reprise pour partie par Gaucher en France, cette idée que on pense la politique avec des catégories qui nous viennent de la religion, qui viennent du théologique et qui ont été sécularisées. Et que la question de la séparation de l'un et de l'autre s'inscrit dans un processus peut-être intellectuel plus long. Ça, c'est ma première série d'interrogations. Deuxième série d'interrogations sur la quatrième partie, celle, ce que moi j'appellerais les voies écartées. Deux voies qui sont proposées, qui sont mises de côté, en particulier la première qui est celle sur la tolérance. Alors, disons-le tout de suite, philosophe du politique, je partage complètement votre position. C'est la manière d'argumenter qui me surprend. Je me reconnais peu dans l'histoire de la tolérance que vous dressez, et je dirais, je vais m'appuyer sur John Rawls pour vous montrer comment on peut lire ça autrement. Rawls a consacré des travaux importants à la question de la tolérance, et il explique, ce qu'on trouve aussi chez des historiens, qu'elle n'est pas née comme un principe ou comme une valeur. Elle est née au démarrage comme ce qu'il appelle un modus vivendi. Aucune religion, au moment des guerres de religion, par exemple au moment du traité de Westphalie, aucune religion ne prétend relativiser sa propre prétention à la vérité et n'y renoncer. Ce qui, en revanche, change, c'est la conscience que si chacun maintient cette prétention à la vérité absolue, il y a un coût humain et social considérable. Chacun pense, le catholique pense que le protestant a tort, si on pouvait l'éradiquer, c'est quand même nettement mieux. Le protestant pense exactement la même chose. Rappelons que pendant la signature du traité de Westphalie, ils n'arrivent même pas à être dans la même ville, dans la même table. Il faut 40 km et on envoie des messagers parce qu'ils peuvent même pas être dans le même lieu. Mais pour autant, il y a quelque chose qui avance dans cette idée que la solution va consister finalement à prendre conscience de ce coût et donc à accepter un principe qui sera celui de la territorialisation de la religion. Chaque prince va pouvoir choisir sa religion, ou parfois c'est le territoire qui dicte au prince sa religion. Hein. Après tout, Jacques II quitte le pouvoir en Angleterre parce que catholique. Henri IV ne peut accéder que s'il se convertit, et ça vaut pour la princesse Anne d'Albret, pour devenir Catherine II de Russie, il faut qu'elle se convertisse aussi à l'orthodoxie. Au XVIIe siècle, ce qui était un aménagement pratique jusqu'ici devient quelque chose d'autre, et notamment en Hollande. Et là, ça prend une autre tournure, ça prend la nature d'une valeur. Un principe d'organisation de la société, des Provinces-Unies. Et puis, ça va encore bouger, puisqu'au cours du XVIIIe siècle, la tolérance va même devenir un idéal.
ça devient le respect de la liberté de penser, et pas seulement de la liberté de conscience, de tous les individus libres et égaux. Et c'est la raison pour laquelle John Rawls consacre tant de temps à la tolérance, c'est qu'il dit, nous avons là quelque chose de très intéressant dans l'histoire, quelque chose qui naît, entre guillemets, bas de gamme, un aménagement pratique, mais qui finit, 3 siècles plus tard, par être par un idéal, par devenir un idéal, pour lequel il n'y a pas nécessairement d'accord sur le fond entre tous, mais il y a des recoupements entre les visions du monde autour de cette notion. Je signale, alors je disais tout à l'heure, cette histoire-là est donc très différente de celle que vous faites. Pour autant, la conclusion politique que vous en tirez, je la soutiendrai également. Croire qu'on peut instituer un espace politique sur le seul principe de tolérance, disons d'une dogmatisation de la tolérance, me paraît une erreur. Je souligne, petite excroissance de seconde, qu'un certain nombre de théoriciens de l'Europe se posent la question de savoir si on ne doit pas réfléchir l'Europe comme ça. Par exemple, Jan Zielonka, qui utilise le modèle de l'Empire, en disant ce qui est bien dans l'Empire, c'est que le centre fixe quelques règles minimales, et pour le reste, tolérance à l'égard de la culture, des manières de vivre des uns et des autres. J'ai plus grand doute sur la possibilité de cette construction-là. J'ai aussi une petite méfiance à l'égard de ce qui est dit sur l'exemple américain, ou plutôt, c'est pas une méfiance, c'est... Je suis surpris qu'il y ait une chose que vous n'ayez pas mis sur la table, et d'ailleurs je suis surpris que tu n'aies pas soulevé non plus, Philippe. Il me semble que la matrice américaine est diamétralement opposée à celle que nous avons en Europe. Je veux dire par là, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons été un continent intégralement christianisé et unifié. Eux, c'est un espace qui s'est peuplé de dissidents religieux, de gens qui étaient poursuivis pour leurs croyances religieuses. Ça change tout. Ils ont fui l'Europe parce qu'ils étaient réprimés et qu'on prenne le pacte du Mayflower jusqu'à la constitution américaine. Le principe de base, c'est que la religion est première. Est première. Et que l'individu, la communauté, c'est d'abord porteur de la religion et l'État, qui est d'ailleurs victime d'une très grande défiance dans l'espace nord-américain, à l'inverse de ce que nous avons, nous, en France et en Europe. Cet État qui est victime d'une très grande défiance, il est justement là pour sécuriser, garantir l'élément religieux des individus et des communautés. Et donc, le mur de séparation, dans ce cadre-là, signifie d'abord que l'État est là pour sécuriser une identité religieuse. C'est logique au regard de leur histoire et de leur matrice politique intellectuelle, c'est pas du tout la nôtre. Pour autant, j'adore, petit aparté, j'adore le passage où vous tapez un peu sur les juristes français, petit tacle à Michel Tropper et la science du droit, notamment, pas seulement, mais sur cette idée qu'au moins le juge américain, lorsqu'il réfléchit à ces questions, il produit des réponses lourdes, argumentées, en s'appuyant sur ce qui se dit dans l'espace public, abondamment. Autrement dit, tout le contraire de ce que saurait faire le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel en France, puisqu'on apprend même aux étudiants dans les facultés à lire les silences entre les lignes. Et que c'est pas évidemment demain que les uns ou les autres citeront des philosophes, des historiens ou des sociologues de la question, alors que c'est la règle à la Cour suprême et que c'est la règle au tribunal constitutionnel de Karlsruhe. Alors, j'en viens à la dernière série d'interrogations. Elle porte sur la dernière partie, sur la philosophie de la République, la partie 6. J'ai été frappé par une chose à la lecture et un peu décontenancé, c'est que le libéralisme, historiquement, il a considéré les religions sous l'angle de la défiance. Les guerres de religion ont été le point de départ d'une lecture des religions, finalement, comme potentiel de déstabilisation de l'ordre social. On pourrait dire même avant le libéralisme, puisque c'est déjà présent chez Hobbes. Mais ma question, c'est, aujourd'hui, un siècle de sécularisation, même si on n'aime pas ce mot-là, qui traverse toute l'Europe et y compris la France. Est-ce qu'on doit garder à l'égard du phénomène religieux la même attitude de défiance systématique? Or, dans le livre, c'est page 213, vous affirmez à la suite de Jean-François Colosimo, et d'ailleurs en reprenant aussi un propos partagé par Catherine Kinsler, je cite, « Toute religion organisée a pour vocation naturelle de s'emparer du pouvoir civil et de faire la loi en s'érigeant en autorité politique. »
Ma question est, au début du XXIe siècle, ce postulat fait-il encore sens? Je n'en suis pas certain. Je pourrais ajouter beaucoup de choses ici, mais pour aller vite. Qu'appelle-t-on une religion aujourd'hui, au début du XXIe siècle, dans l'espace social français, mais d'ailleurs ailleurs? On pourrait aller du côté de Charles Taylor pour montrer qu'il y a aussi une forme d'individualisation de la croyance, que c'est beaucoup moins des ensembles doctrinaux construits par le haut et de plus en plus des ensembles portés par le bas, par des individus qui vont dans l'espace public, via les réseaux sociaux, etc. Parfois font d'ailleurs du patchwork, de l'hybridation, do-it-yourself, avec des petits bouts de... peu de force tellurique dans les forêts de Fontainebleau, et puis un petit peu de ceci et de cela, parce qu'on sait que ça aussi, ça existe. Et donc, on ne parle finalement plus exactement de la même chose. Et dans quelle mesure ce postulat peut être maintenu? J'avais envie de vous faire un petit croche-pied à cet endroit-là. J'avais envie de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas penser l'éternel défi de Lucien Jaume par le biais d'un autre philosophe spécialiste du libéralisme politique français qui s'appelle Lucien Jaume. Vous vous souvenez que dans votre ouvrage sur les origines philosophiques du libéralisme, vous nous expliquez que la manière de penser le politique, c'est sans doute la plus aboutie, c'est chez Kant, parce qu'il est le seul à avoir construit le mécanisme de la confiance. La liberté par la confiance. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas faire jouer le Lucien Jaume des origines philosophiques du libéralisme contre le Lucien Jaume de l'éternel défi? Disons que ce qui me frappe à la lecture, c'est, en dépit de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on vous connaît sur le libéralisme politique et philosophique, finalement, dans ce livre, il y a quelque chose de très républicain et de bien moins libéral. Et je pense que les réflexions que Philippe a fait dans un instant vont en ce sens. Je termine par une remarque. Une chose me frappe, il existe depuis les années 2000 à peu près un débat important sur la scène philosophique qui est de savoir à quelles conditions une religion pourrait intervenir dans l'espace public. Alors, dans le jargon de la philosophie, on appelle ça la question de l'espace public post-séculier. Bon. Il y a des contributions majeures qui ont été portées sur ce terrain-là. La première est celle de John Rawls en 1998, donc peu de temps avant sa mort, c'est l'un de ses derniers textes. Sur l'idée de raison publique revisitée, rappelons que Rawls disait que les religions n'avaient pas le droit de participer au fonctionnement de l'espace public et que la culture devait être seulement une culture politique centrée autour de ce que dit la Cour suprême, et qu'il a reçu beaucoup de reproches pour ça, si bien que 5 ans plus tard, il revient sur ce thème et il dit « Vous avez raison, je me suis trompé. Les religions doivent pouvoir participer au fonctionnement d'une démocratie libérale, ça veut dire ça, mais il y a 2 conditions. La première, il faut concevoir alors la culture politique comme étant large. Elle englobe énormément. Donc, des vues qui peuvent être englobantes, compréhensives, comme on dit en anglais, autant dire des vues qui peuvent être métaphysiques ou religieuses, mais à une condition, c'est que ces religions, lorsqu'elles pénètrent dans l'espace public, elles soient soumises à ce qu'il appelle en anglais « the proviso », qui a été traduit bizarrement par « la condition », c'est un peu bizarre comme traduction, mais c'est cette idée que, puisqu'elle intervient dans l'espace public, elle va formuler ses arguments dans le langage partageable avec l'ensemble des citoyens. Et donc, pas dans le langage de mes co-religionnaires. J'y reviendrai parce que... Et ce débat-là, il n'a cessé depuis. Je veux dire, Jürgen Habermas a publié un très grand texte qui s'appelle « Religion et sphère publique » en 2005. On a évoqué tout à l'heure l'âge séculier de Charles Taylor, en particulier l'idée que la religion doit être conçue comme des ressources de plénitude. Et donc, regarder la religion tout à fait autrement de ce qu'elle était jusqu'ici, non plus une construction doctrinale, mais plutôt des ressources de sens qui permettent à des individus de... Et donc, tout ce débat est extrêmement intéressant en fixant les conditions. J'ajoute, en France, évidemment, les travaux de Jean-Marc Ferry, en particulier en 2010, la religion réflexive, mais les lumières de la religion par la suite et d'autres. Et ce que dit Ferry, avec lequel j'ai travaillé 10 ans, pour en parler un peu de manière un peu développée, mais pour le dire très simplement, Jean-Marc Ferry dit, à partir du moment où il est favorable à ce que l'espace public s'ouvre aux religions, pourquoi ? Même raison qu'Habermas, parce que la raison classique a failli. Elle a failli dans beaucoup de domaines, y compris dans le fait que le scientisme, l'historicisme, etc., ça a donné des formes de totalitarisme au nom de la raison. Premier élément.
Deuxième élément, nous sommes confrontés aujourd'hui à des séries de sujets dans nos sociétés pour lesquels la raison, entre guillemets, classique, traditionnelle, est insuffisante. Toutes les questions de bioéthique liées à la mort, à la vie, ben, ce n'est pas des philosophies rationalistes de type classique qui permettent de les résoudre. Et donc, il faut s'ouvrir à d'autres ressources de sens, intuitions éthiques, qui sont dans notre culture et qui sont à travers des religions, mais quels sont les critères qui permettent qu'on puisse discuter dans l'espace public? La réponse de Ferry, c'est finalement une chose très simple. S'ils viennent dans l'espace public, il faut accepter le principe de la faillibilité du point de vue. Autrement dit, je ne peux pas, alors il se trouve que je ne suis pas religieux, c'est facile à dire, mais je ne peux pas venir dans l'espace public en disant « Dieu dit que » et donc c'est fini, il n'y a plus débat. Je peux dire « selon moi, Dieu dit que ». Mais le « selon moi » montre qu'on rentre dans un conflit d'interprétation possible. Et donc la religion se pose dans ce cas-là comme étant possiblement faillible en raison du fait que l'espace public est structurellement agnostique. Et ce n'est pas parce que l'espace public est structurellement agnostique qu'une religion devra renoncer, entre guillemets, à l'intégralité de sa vérité. Et même, je dirais, à sa radicalité. De ce fait-là, je trouve qu'il y a une manière de prolonger votre propos, je crois, hein, sur la partie sur la philosophie de la République. On peut la prolonger en essayant de spécifier quelles sont les conditions qui font qu'on peut accepter dans l'espace public une ouverture vers des arguments de type religieux. Je vous remercie.